Bonjour. Alors voilà, on va en faire une autre. Ben, je vais la faire en double puisque j'étais en train de filmer, sauf que bon, ça n'a rien filmé du tout. Donc je la refais. Ah, donc on prend un, comme d'habitude quoi, 21, 21 sur 20 et demi. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait 20 et demi, j'aurais dû faire 21, ça aurait été impeccable. Donc, je colle mes... Donc, je laisse ça en attente et je prépare le mécanisme. Le mécanisme, j'ai besoin de 25 sur 10, sur 10,2, d'accord. Donc j'ai fait 10,3 sur 25 et demi, d'accord? 25 et demi. Alors je prends 3 cm, je retourne et je prends 2 cm. Plus 3 cm. Et je fais la même chose. 3 cm. Je retourne. Et je fais 2 et 3. Donc, sur cette deuxième ligne, on va marquer ici et on va prendre on va marquer à 3 cm aussi, donc 1, 2, 3. Je suis désolée, je parle doucement parce que je suis malade. Donc et 3 cm ici. Et on va tracer notre triangle. Donc voilà, 2, 3, 3 et 3. Donc, et on trace un triangle. Et on fait ça pour les deux. Et on aplatit bien nos plis.
Et là, on va préparer cette distance là, donc 10.2 ou 0.3. 10.3. D'accord, sur 15 et demi seulement. D'accord. 2. On en fait 2. Et puis on fait et deux fois 10 et demi, 15 et demi. Ok, donc on va donc, on va prendre ça. Ouais. On va mettre de la colle. Et celui-là, on va le mettre de ce côté. On plie là.
Donc l'ouverture doit être de ce côté-là. Ok. Faut pas mettre la colle ici, là, et je fais la même chose de ce côté, l'ouverture vers le milieu, et je colle ça ici à condition. Ok, et on vient placer ça ici. Et celle-ci, ici. Donc voilà notre pop-up, notre page. Voilà. Et alors, pour système de fermeture, de toute manière, vous voyez, ça ne dérange absolument pas. Mais si vous voulez, vous pouvez mettre soit un petit aimant ici, sinon une attache parisienne qu'on va coller ici sur ça, et un petit système rotatif. Ben, on verra. J'ai un tampon comme ça, je vais le faire avec un tampon.
Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. C'est facile, c'est très rapide. Et voilà. Et puis. J'ai pas laissé. Oups. Donc voilà, on va continuer. Donc j'ai coupé des bandes comme ça pour. Et là, j'ai préparé des petites flippettes avec du papier. C'est un daï de chez Noz, je pense. Et je vais bien centrer ici, là. Je mets un trou. Donc, je glisserai en dessous pour mettre mon trou, pour faire mon trou. Donc, c'est bon. Voilà. Donc voilà. Je voulais rajouter quelque chose ici, mais c'est pas possible parce que ça va certainement coincer. On verra bien.
Voilà. Allez, hop. Donc voilà pour cette page, on a fini, j'espère qu'elle vous plaira. On en a déjà fait des comme ça, mais dans un style différent, dans des rabats qui s'ouvrent dans la moitié, comme ceci. Maintenant, on l'a fait comme ça, avec le rajout de ces trucs-là, et c'est bon. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, et n'hésitez pas non plus à vous abonner. Et si vous avez des questions, je serai toujours prête à répondre à toutes les questions, quand c'est possible, bien sûr. Et voilà. Donc, sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.